Donc les ambitions du château Borély, qui rouvre ses portes après une quinzaine d'années de fermeture, est bien de capter bien sûr un public qui tout naturellement va venir découvrir ce lieu, mais aussi un public qui ne vient pas traditionnellement au musée, ou du moins qui disparaît de nos salles entre l'adolescence et je dirais la trentaine d'années. Donc ce public qui est très rompu aux nouvelles technologies, qui passe beaucoup de temps derrière des écrans, n'a plus du tout le réflexe de venir au musée. Et c'est ce public-là que nous aimerions reconquérir. Donc nous souhaitons nous associer au CRIC parce que les contacts avec la jeune association Design the Future Now nous ont semblé extrêmement prometteurs, parce que je pense que faire de Borély un laboratoire d'expérience muséale, d'expérience de visite, est une très bonne idée, est un projet extrêmement stimulant pour les conservateurs, comme pour l'ensemble du personnel qui travaille à Borély. C'est un petit peu l'ambition que j'ai pour le musée de demain, et j'espère que Borély répondra à cela.